à tous. Merci beaucoup, Robert, pour tous ces bons mots. Et ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui. On l'a dit, c'est difficile d'intervenir après des intervenants aussi passionnants. Et il y a un certain nombre d'intervenants ce matin là, qui ont semé des graines que moi, j'ai arrosé et puis j'ai juste cultivé, en fait. Hein. Donc, ça fait longtemps qu'on pense au diagnostic psychologique comme un concept qui était à travailler et à développer. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'examen psychologique de l'enfant. Donc, je vais vous offrir mes pensées, en fait, là-dessus, à partir de ce que j'avais écrit dans un ouvrage qui était plutôt inspiré par la psychopathologie et l'examen psychologique de l'adulte. Mais comme j'ai la chance de travailler dans un hôpital pédiatrique, en contact avec des soignants, en contact avec des parents et des enfants qui sont très malades, puisque je travaille en hémato-oncologie maintenant, et à l'université également, j'ai essayé de faire résonner ça avec ce que je peux côtoyer au jour le jour. Je voudrais aussi souligner l'aspect assez exceptionnel du moment que l'on vit aujourd'hui. Ces derniers temps, la psychologie en France a énormément changé. Et là, je n'étais pas revenu depuis un certain temps. Il y a des gens que je n'avais pas revus depuis longtemps. Et je trouve que c'est une très grande opportunité qu'on a de vivre ce moment ensemble qui est un moment de liberté. Et je le vis avec beaucoup de plaisir. Je me concentre sur le présent. On a effectivement des discussions, mais des discussions qui se fondent sur le respect et sur la non-disqualification de l'autre. Et ça m'est bien cher. Alors donc, on va parler de processus et de validité du diagnostic psychologique de l'enfant. Et c'est un titre un peu sec. Je me suis dit, on va aborder un certain nombre de thèmes ensemble et je vais essayer de vous expliquer ce que je pense. J'aimerais bien aussi avoir des réactions de la salle après, éventuellement. Comme une discussion un peu au coin du feu. Alors, oui, on en a besoin du feu. Moi, je viens de Montréal. Voilà à quoi ressemble Montréal à peu près il y a 3-4 jours, là. Donc on cherche la voiture, on la trouve pas. Et mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Alors je viens d'un mon hôpital, et c'est l'hôpital Sainte-Justine, c'est le plus grand hôpital pédiatrique du Québec. C'est le deuxième hôpital pédiatrique au Canada, après celui de Toronto. Et on construit actuellement un nouveau centre de recherche. Donc c'est difficile pour moi de parler à l'étranger puis de dire Je vais vous parler, je ne vous parle pas de l'endroit d'où je suis, c'est là d'où je viens, là, maintenant. Alors, quels vont être les thèmes abordés ? Je vais essayer de parler des enjeux du diagnostic psychologique. Ensuite, quelques mots pour justifier l'examen multiméthode et multi-informant. Puis, ensuite, je vais passer en revue certaines étapes du processus d'examen et insister sur des biais de jugement auxquels nous sommes confrontés, puis finalement parler de pistes de progrès. Si on parle des enjeux du diagnostic psychologique, en fait, pourquoi s'embarrasser avec un terme diagnostic psychologique alors que nous avons un terme qui était l'examen psychologique ? Moi, j'ai l'impression que on s'est embarrassé de cette question. Et finalement, c'est bien, parce qu'on voulait décrire un phénomène très particulier qui touche au jugement et à la construction de ce que l'on produit avec l'examen psychologique. Et il n'y avait pas d'autre moyen que de prendre ce terme de diagnostic. Alors, c'est ça. Pour moi, le diagnostic psychologique, c'est le produit de l'examen psychologique, ce qu'on va appeler le psychodiagnostic, ou finalement qui va se retrouver dans le contenu du rapport d'examen. Et donc on peut avoir différents mots pour décrire ça. Finalement, pour moi, peu importe, je parle de diagnostic psychologique.
Une certaine conférence de consensus, il y a quelque temps, avait insisté sur des points très importants. Le fait que l'examen psychologique venait en réponse à une demande, s'actualisait dans une relation, était le moment où s'appliquaient des connaissances, des techniques particulières, qu'on formulait une réponse, cette réponse, moi je l'appelle diagnostic psychologique, un examen psychologique qui se passe dans un certain contexte, un contexte développemental, et l'aspect également qui place l'enfant dans un contexte social d'entourage. À partir de ça, j'ai commencé à m'intéresser au diagnostic psychologique de l'enfant. Puis, je dois dire, je suis très admiratif des personnes qui pratiquent l'examen psychologique de l'enfant, parce que c'est d'une extraordinaire complexité. Et c'est bien plus complexe que l'examen psychologique de l'adulte, dans le sens où cet aspect développemental est au premier plan, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'intervention d'Anand Rodikoff, mais aussi on a dans l'environnement de l'enfant plusieurs informants possibles, des situations contrôlées ou pas. Et ça fait que la complexité est absolument extrême. Donc, chapeau à ceux qui pratiquent cette activité, mais aussi, en même temps, une question à laquelle je vais essayer de répondre tout à l'heure, à quel point on est à la hauteur de ce défi extrême en termes de compétences professionnelles. Alors ça, c'est une petite introduction sur des enjeux qui sont donc très importants. L'examen multi, alors multi-informant, multi beaucoup de choses en fait, multi-méthode. Cette évaluation multi-méthode et multi-informant, elle se justifie parce qu'on a besoin de plusieurs sources de données. Mais en même temps, chaque source de données, on s'aperçoit qu'elle n'est pas meilleure que l'autre. On a différentes réalités à regrouper, à recouper et à synthétiser. Une variabilité en fonction de situation, en fonction de relation. Et une chose qui apparaît de manière très récurrente et qui est une grande difficulté et un grand défi à notre synthèse, c'est une concordance limitée entre les informants. Alors, comment on va faire avec ça? Ben, c'est vrai que, du coup, la synthèse est difficile. Alors, juste un petit exemple pour illustrer cette concordance limitée entre les informants. Ici, ce sont des personnes qui ont été diagnostiquées, des enfants, donc, qui ont été diagnostiquées pour un cancer. Moyenne d'âge 12 ans, plus ou moins 3 ans. On a les cotations enfants et les cotations de la mère à un thermomètre de détresse. Un thermomètre de détresse un peu sur le modèle du thermomètre de douleur, de 0 à 10. Et puis, l'accord absolu, c'est la ligne bleue. Et vous voyez bien sur la figure qu'il n'y a pas vraiment d'accord entre les cotations de la mère et les cotations de l'enfant. Un accord absolu qui est très bas. Avec un certain nombre d'aspects qui ressortent, et notamment un groupe d'enfants qui déclarent avoir une détresse émotionnelle, et ces enfants-là n'étant pas rapportés par la mère, là, en l'occurrence. Bon, on pourrait prendre les cotations du père, on aurait la même chose. Alors, on a beaucoup de recherches là-dessus, sur les accords entre informants dans la littérature. Si vous regardez pour la CBCL, par exemple, on a des accords qui sont extrêmement bas, surtout quand les informants ne sont pas de la même nature. Donc, par exemple, on a des accords qui sont un peu plus élevés entre les deux parents, mais des accords qui sont très bas entre les parents et l'enseignant.
ou entre les parents et l'enfant, ou entre l'enseignant et l'enfant. Donc une très grande difficulté à se dire, mais finalement, qui a raison? Quel est le phénomène qu'on veut refléter ici, qu'on veut décrire, et comment le décrire fidèlement? Je pense qu'il faut revenir à ce que nous disait tout à l'heure Robert et Ramzi également, sur le fait qu'on a... chaque réalité a sa place ici. Il n'y a pas une réalité derrière, il y a plusieurs réalités dont il faut rendre compte. Et c'est ça le grand défi. Alors, on a exactement le même constat avec des mesures d'anxiété à gauche et puis des mesures de dépression à droite. Si vous regardez avec la dépression, on a un phénomène qui est en plus très intéressant, c'est le fait que la mère, systématiquement, dans cet échantillon-là, surcote les difficultés de l'enfant. C'est vraiment pratiquement systématique, presque pour tous les enfants. Donc on doit prendre en compte, et on aurait beaucoup de possibilités d'explication de ce phénomène. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, là je parle de cet échantillon-là, mais c'est un phénomène qui a ça son importance. Multi-informant, ça veut dire que chaque informant va nous apporter un certain nombre de connaissances, va nous apporter des aspects particuliers. Par exemple, si je vise à aller estimer ou cerner l'estime de soi, je vais plutôt avoir un recueil de données qui va être dirigé vers l'enfant, en provenance de l'enfant, alors que si je vise à essayer de décrire les forces et les intérêts de l'enfant, je vais plutôt me tourner vers le parent ou vers l'enseignant si c'est dans une situation plutôt scolaire. Il y a des systèmes d'évaluation multi-informants et multi-méthodes qui existent. Je vous en cite un exemple ici, c'est la CEBA. Il se trouve que le Vermont, c'est tout près de Montréal. Et donc, on est très influencé par ça. Nous, on utilise beaucoup la CBCL et toutes les échelles qui sont de la CEBA. Dans la CEBA, on trouve à la fois de l'autodescription sous forme de questionnaire, mais aussi de la description de comportement de la part des parents, et également utiliser l'informant, l'enseignant comme informant. Mais on a aussi du multiméthode. On n'a pas seulement de l'autodescription, de la description extérieure, mais aussi de l'entrevue structurée. Pareil avec la basque. Donc, il existe des systèmes comme ça, déjà tout construits. Cela dit, ces systèmes font finalement assez peu de place à des méthodes un peu alternatives. On a quand même une impression que c'est assez fermé comme type de système, très sec. Moi, ce que je trouve vraiment pertinent, c'est d'aller piocher dans des compétences qu'on va mettre en œuvre qui sont radicalement différentes au moment de l'examen psychologique. Par exemple, imaginez le type de compétences que vous mettez en œuvre quand vous vous auto-décrivez. Ici, j'ai pris l'exemple de la Beck Youth, je crois que c'est dépression, oui, dépression. Vous répondez à la question « je pense que ma vie est mauvaise ». Vous voyez que là, on vous place dans un retour sur vous-même. On place là, en l'occurrence, l'enfant dans un retour sur lui-même. Et les compétences qu'on utilise quand on raconte une histoire avec un début, un milieu, une fin au CAT. Donc on a des compétences radicalement différentes qu'on va vouloir articuler. Ces compétences-là, cette différence de compétences, on ne la retrouve pas dans les systèmes qui sont complètement construits comme la CEBA. À ce propos, les questionnaires, les tests, sont souvent qualifiés d'objectifs. Ils n'ont rien d'objectif. En réalité, ils sont beaucoup plus... c'est un jugement de valeur, ils sont
quand même relativement subjectif, puisque vous demandez à l'individu qu'est-ce qu'il pense de ce qu'il est, là en l'occurrence. Donc objectif, projectif, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué cette classification. Ici, on va plutôt parler d'autodescription versus histoire à raconter. Il n'y a pas beaucoup de rapport entre les histoires à raconter et l'exercice qu'on fait, par exemple, au Rorschach. Donc, vous voyez, classification projective, par exemple, ça me laisse un peu rêveur encore. Alors, ce qu'on cherche, si on essaye de pousser un peu le cas de la multisituation, ce qu'on cherche ici, c'est à essayer d'obtenir des échantillons de comportement, des échantillons de conduite, au sens très large, dans des situations différentes, de manière à pouvoir décrire la situation de l'enfant de manière très complète. Alors ici, on a un tableau qui contraste les situations de description de soi et les situations d'observation contrôlée. Typiquement, une situation d'observation contrôlée, c'est le CAT ou le Rorschach, où on place l'individu dans une situation où on lui demande de faire quelque chose et où finalement il a à sa disposition un stimulus complexe, ambigu, qui doit structurer d'une certaine manière, avec des tâches particulières. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que beaucoup de choses dépendent de l'enfant à ce moment-là, dans la structuration. On va avoir accès à une approche plus personnelle ici, de la manière de faire. Il y a des différences très intéressantes qui peuvent expliquer des différences de situation très intéressantes qui peuvent expliquer pourquoi on va observer dans un cas un phénomène et dans l'autre cas il n'apparaît pas, ou pourquoi il y a des contradictions parfois entre les situations. Par exemple, dans les situations de description de soi, vous avez quand même un aspect très interpersonnel, très impersonnel, dans le sens où on vous donne un questionnaire, vous devez décrire l'enfant. Donc, typiquement, je me mets à la place du parent, je décris mon enfant à la CBCL. Vous pouvez aussi faire des efforts de contrôle de vos réponses. Alors que dans les situations d'observation contrôlée, vous avez affaire à une relation beaucoup plus proche avec l'examinateur. Par la nature de la tâche, vous devez raconter, par exemple, une histoire à l'examinateur. L'examinateur va être là pour vous soutenir. Et il y a un aspect interactionnel. Il peut y avoir aussi, pour certains enfants, un aspect ludique. On s'amuse à raconter une histoire. Cette complexité, cette complémentarité des épreuves, elle est très importante dans notre domaine. Mais elle fait aussi beaucoup de défis dans la synthèse qu'on va produire. Alors, je continue sur l'intérêt des situations contrôlées. Pour les situations contrôlées, l'intérêt, c'est donc d'observer le fonctionnement, de structurer les réponses, d'avoir accès à des manières de résoudre des problèmes. Mais aussi, ce qu'on souhaite, c'est pour pouvoir en dire quelque chose, c'est de comparer avec des fonctionnements typiques. Et là, je vais sur un thème qui est important. À quel point avons-nous accès au fonctionnement typique ? Peut-être que j'ai, moi, psychologue, accès à ce que j'ai vu la semaine dernière, la semaine précédente, ce que j'ai vu dans toute ma carrière et qui m'a beaucoup structuré. Mais est-ce que j'ai accès à des fonctionnements typiques publiés ? Voyez, et ça, je crois que on se pose pas assez la question par rapport à ces situations contrôlées, par exemple CAT, Rorschach, etc. La validité de ces procédures, elles vont reposer sur notre capacité à produire une mesure et un codage qui va effectivement refléter un phénomène. Le fait que le phénomène qu'on a possiblement repéré par un certain nombre de marqueurs,
va effectivement expliquer des réponses à l'extérieur de la situation de test. Et le fait que ces aspects sont effectivement ou pas des échantillons de conduite. Donc, est-ce que je peux parler d'échantillons de conduite devant moi? Finalement, est-ce que ce que je vois, c'est le reflet de ce qui pourrait se passer à l'extérieur? Est-ce qu'il y a une validité écologique à ce que j'ai observé? Là aussi, beaucoup de questions se posent. Alors ici, je ne comprends pas pourquoi on a ça, mais on va passer directement au processus d'examen. Processus d'examen qui est décrit de manière assez standard par tous les auteurs. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de reprendre chaque étape et puis de les détailler. En fait, on passe par la référence, le dépistage, ou les deux, puis l'évaluation de la référence, l'entrevue clinique, la définition du cadre, de l'objectif, le choix des procédures, puis l'évaluation, la cotation, l'interprétation, l'intégration, l'élaboration du diagnostic, puis la rédaction du rapport. Alors, ce que j'ai choisi, c'est prendre des exemples à certains points, vous donner un avis et détailler certains biais qu'on va trouver. Première chose, donc, la référence. Référence et multigating. Multigating, c'est le terme qu'on utilise pour dépistage qui, finalement, vise à décrire à quel point on va pouvoir utiliser des procédures standardisées auprès de tout le monde pour repérer des individus à risque et faire aller vers une évaluation plus approfondie dans un second temps. Alors, je ne vais pas complètement détailler ça, mais c'est vrai que quand on parle de demande, on est de plus en plus dans nos univers de santé qui visent à faire des économies, malheureusement, confrontés à une nécessité d'allouer des ressources d'examen psychologique aux plus vulnérables. C'est une question qu'on nous pose tout le temps. En tout cas, au Canada, c'est vraiment très présent. Et c'est très présent aussi en Angleterre. Comment faire ? Il y a plein de méthodes qu'on a pu utiliser. Je vais juste vous présenter très rapidement une méthodologie qu'on est en train de développer. On utilise donc ce thermomètre dont je parlais tout à l'heure, 0 à 10 avec détresse émotionnelle. On l'utilise avec les enfants et les jeunes adultes. Et on a ici, sur cette figure, pour chaque valeur du thermomètre de détresse, donc 0, 1, 2, etc., là ça va jusqu'à 9, on a le nombre d'individus qui sont positifs, ce sont les verts, ceux qui sont représentés en vert, et les individus qui sont négatifs, ceux qui, a priori, ne souffrent pas de troubles. Ici, ce sont des troubles anxio-dépressifs. Et on s'aperçoit qu'on va pouvoir déterminer une position de curseur là, qui va nous permettre de, finalement, mettre de côté les personnes, et là, ce sont des enfants et des jeunes adultes, qui ne sont pas à risque, pour se concentrer sur un groupe qui va être, après la flèche à droite, qui va être le groupe à risque. Et alors ce groupe-là, on peut s'y adresser de diverses manières. On peut lui reposer une question, on peut déclencher directement une évaluation psychologique ou un examen psychologique détaillé. Ça serait cher de faire ça, parce que là, il y a beaucoup de participants. Nous, ce qu'on a choisi, c'est de reposer une question qui sera une question avec une sensibilité, c'est-à-dire une capacité à repérer les cas problématiques de manière plus juste, en fait, une sensibilité élevée. Donc, je vais passer la figure suivante. Ce qui est très intéressant, c'est que à partir du dépistage, et là, je ne fais pas l'apologie du dépistage, c'est juste qu'on essaye de s'adapter à des contraintes économiques, et on essaye de s'y adapter avec justesse.
À partir de ce dépistage, on a une possibilité et une orientation à l'intérieur du système de soins. Ici, je prends l'exemple de l'orientation et du parcours du patient à l'hôpital général juif qui dépend de l'université McGill à Montréal. Et on s'aperçoit que le dépistage vient en premier, puis on a les références qui se construisent en lien avec le dossier, puis viennent les possibilités de référence aux cliniques spécialisées, cliniques Corps Esprit, etc., etc. Alors, je suis désolé, c'est un peu décalé, je ne sais pas pourquoi, c'était... A priori, ça marchait bien sur mon ordinateur, mais on arrive à lire quand même. J'ai parlé de dépistage, mais la plupart du temps, on n'est pas dans des univers où c'est du dépistage, on est dans des univers où on nous pose des questions. Et puis, je me souviens, moi, je fais beaucoup de recherches maintenant et beaucoup moins de cliniques. Je me souviens des post-it qu'on collait dans la salle de soins à destination des psychologues quand j'étais en psychiatrie. Il y avait marqué sur ces post-it « test psychologique »,« évaluation de la personnalité », même parfois l'interne, « projectif »,« whisk », »,« point d'interrogation », toutes sortes de choses comme ça. Et j'étais toujours très mal à l'aise par rapport à ces questions qui, en fait, me mettaient dans une position vraiment inconfortable d'exécutant en vérité, où finalement on formulait la question, une question méthodologique pour un objectif qui n'avait pas été formulé. En vérité, qu'est-ce que je vais évaluer avec les projectifs? Pourquoi est-ce qu'on me pose la question du whisk? Voilà toute la question. Donc, quand je pense à la demande, je me dis... Oh, là aussi, c'est dommage, ça cache un peu la moitié des choses. Quand je pense à la demande, je me dis que y a une traduction à faire de la demande, une traduction qui est détaillée de ma part. Et c'est mon rôle professionnel de psychologue de la traduire, de l'opérationnaliser. En fait, si je ne prends pas ce rôle-là, personne d'autre ne va le prendre. Les autres ne se représentent pas ce que je suis capable de faire. Donc, c'est à moi de prendre la question et d'aller discuter avec le demandeur. Si je prends l'exemple du dépistage de tout à l'heure, c'est à moi de dire tout ce que j'ai dépisté, c'est la probabilité d'être un cas pour anxiété, dépression. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Pas grand-chose. Souvent, les questions qu'on va me poser ne sont pas basées sur des raisons et sont très simples. Donc, à moi de complexifier la question, de la préciser. Et par cette complexité, par cette complexification, en fait, je vais expliquer à mon interlocuteur qui je suis, quel est mon rôle professionnel. Pour moi, c'était très important de faire ça, de passer du temps à faire de la pédagogie sur qui je suis, qu'est-ce que je peux faire et dans quel cadre. Avec quels moyens aussi, quels moyens temporels, parce que souvent, on ne nous donne pas le temps. Il faut évaluer l'ensemble des compétences qui viseront à éventuellement faire une intégration scolaire pour dans une semaine. On nous pose des questions, on nous met dans des situations qui sont extrêmement difficiles. Donc, à nous de mettre aussi nos barrières et notre cadre de travail. Car notre cadre de travail, c'est nos méthodes. Qu'est-ce qu'une bonne question clinique? Pour moi, une bonne question clinique à laquelle je vais essayer de répondre, c'est une question qui est spécifique, qui porte sur des thèmes qui appartiennent à la pratique psychologique. Et une question que j'aime me poser avant de m'engager dans l'exercice du diagnostic psychologique,
ou qui vise au diagnostic psychologique, c'est comment les informations vont-elles être utilisées par le demandeur. Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Quelle décision tu vas prendre? Donc, un psychologue responsable de l'opérationnalisation de la question avec une opportunité pédagogique. La question de l'entrevue maintenant, quand j'ai passé en revue le processus tout à l'heure, il y avait l'entrevue avant, et c'est vrai que l'entrevue n'a pas le même statut que les tests qu'on va utiliser au décours de l'examen psychologique ou les épreuves ou des observations, enfin toutes choses que vous pouvez imaginer. Tout commence avec l'entrevue clinique, effectivement. Alors, quelques questions sur l'entrevue. On a, avec l'entrevue, des outils, un outil extrêmement puissant. Un outil ultra flexible. Un outil qui nous permet de répondre à des questions. Et là, ça, c'est un exemple. J'ai pris l'exemple des émotions. J'aurais pu prendre complètement autre chose. Qui va nous permettre de répondre à des questions aussi complexes que l'enfant exprime-t-il une palette d'émotions ? Est-ce que l'intensité de l'expression est typique ? L'enfant se met-il en colère ? Est-il frustré, impatient pendant l'entretien, etc. Donc, une palette de questions auxquelles je vais pouvoir répondre. De la même manière, si je porte un jugement sur l'insight et le jugement sur soi, l'entretien est une très bonne méthode. Est-ce que l'enfant mesure la conséquence de ses comportements ? A-t-il des plans pour l'avenir ? Quelle relation fait-il entre les événements passés et les difficultés actuelles ? Etc., etc. Donc, une entrevue clinique qui a un statut particulier, qui est un outil puissant et qui a des avantages vraiment très clairs. À côté de ces avantages, il y a des inconvénients qui sont extrêmement forts également. Là, je vais détailler trois aspects principaux. Premièrement, le fait qu'on a des preuves scientifiques qui montrent que les psychologues se font très vite une idée de la personne, et la personne au sens large, qu'ils ont en face d'eux. En gros, dans les deux premières minutes. Et que, très souvent, toute la suite de l'entretien n'est que confirmation de ces deux premières minutes. Ça pose beaucoup, beaucoup de questions sur ce qu'on est capable de faire et quelles sont les limites de notre propre jugement. Également, un autre aspect de l'entretien, c'est que c'est une procédure qui est particulièrement vulnérable à la confusion entre des données que j'ai recueillies et des interprétations. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir observé, mais en fait, je l'ai inféré. Et surtout, je n'ai pas d'écrit là-dessus, parce que ça s'est passé dans l'interaction, j'ai pris mes notes après, etc. Donc, et là aussi, on a des données scientifiques là-dessus qui montrent qu'on est très vulnérable à ce biais. Donc, quelque chose qui est, vous voyez, un outil qui à la fois est d'une extrême puissance, d'une extrême flexibilité, mais qui est susceptible d'être énormément biaisé. Là, je fais encore le cas, comme on dit chez nous, je défends encore l'examen multiméthode. Et dans l'examen multiméthode, je considère donc l'entretien comme une des méthodes. Même si l'entretien intervient avant. Alors, ensuite, on a l'habitude de se dire, dans le processus d'examen, on a également le moment où on utilise les tests, où on fait une évaluation structurée, éventuellement standardisée. Alors,
on nous dit dans nos codes de déontologie, je crois que c'est le cas en France, mais en tout cas au Québec, c'est tout à fait le cas, d'utiliser des sources et des méthodes qui sont fondées sur les données probantes, c'est-à-dire evidence-based. Donc des outils fidèles, valides, utiles, sur tous ces aspects-là. Utiles, peut-être sensibles dans certains contextes, il faudra des outils sensibles. Un aspect très important, c'est qu'on s'attend à ce que, et là encore, c'est le pendant de l'utilisation de l'examen multiméthode, on s'attend à ce que les sources de données soient indépendantes. Je reviendrai là-dessus parce que ça pose beaucoup de questions en termes de biais, notamment. Alors, je ne vais pas détailler fidélité, validité, utilité, tous ces aspects-là, vous les connaissez, vous les avez étudiés, réétudiés, et finalement, je ne suis pas sûr qu'on change beaucoup les choses en étant constamment confronté à ces notions. Mais il y a une question que je voudrais vous poser, c'est la validité. Est-ce que c'est une affaire uniquement de psychométriciens ? Alors, si je la pose, c'est que, évidemment, je pense que non. Et je suis tombé sur un cas très intéressant, récemment, un jeu pour enfants de 6 ans et plus, édité par Marc Vidal. Et il appelle ça le test des taches d'encre. On vous montre des taches d'encre, on vous demande ce que ça peut être. Et y a des bonnes réponses et des mauvaises réponses. Planche 6, par exemple, une bonne réponse, ça sera une peau de bête, puis une mauvaise réponse, ça sera une réponse sexuelle. Donc vous voyez qu'il y a des affaires ici qui sont des affaires de déontologie, des affaires de pratique professionnelle dans la validité, qui sont très importantes pour nous. J'aurais beau poser à l'enfant, est-ce que tu connais ce test ? L'as-tu déjà passé ? Qu'en dis-tu ? C'est simple, on va te montrer des taches d'encre et on va te demander ce que ça pourrait être. Mais bon, ça c'est un expédient, quoi. Là, il faut que je m'adapte à quelque chose qui est très important. On y reviendra peut-être dans la discussion. Donc la validité, c'est pas qu'une affaire de psychométricien, c'est une question d'usage des tests et de protection. Ça aussi, ça fait partie de mon code de déontologie de l'OPQ. Alors ok, on va supposer que mes tests sont valides. Ça veut dire que je vais avoir un diagnostic valide. J'ai demandé à mon fils de traduire en langage maître Yoda. Je vais vous laisser lire parce que c'est un peu des phrases à l'allemande avec le verbe à la fin. Un erroné jugement peut-être sur des données de qualité fondées. Données de qualité, nulle garantie sur le psychodiagnostic ne donne. Effectivement, c'est pas parce qu'on a des données valides qu'on a un jugement valide. C'est pas parce qu'on a des interprétations individuelles de tests valides qu'on a une intégration des tests valides. Alors c'est quoi la validité du jugement et du diagnostic ? Parce que le diagnostic, il se place en bas, au niveau du jugement. On a des gens qui ont produit des écrits intéressants là-dessus. Il y a un auteur américain qui s'appelle Garb, qui a produit toutes sortes de choses dans sa vie. Mais il a produit notamment, à un moment de sa vie, des choses intelligentes. Et Garb a produit une synthèse sur le jugement clinique. Il a produit cette synthèse-là notamment un certain nombre de conclusions à sa synthèse, c'était premièrement que la plupart des cliniciens a tendance à surestimer le degré de gravité des difficultés ou des déficits. Donc on a une tendance à pathologiser ce qu'on voit.
avec tous les dangers que ça représente, d'étiquetage, de fixation. Anandronikov nous a parlé de cristallisation tout à l'heure. Également, une synthèse de cette littérature extrêmement conséquente a montré que la formation jouait un rôle très important dans la validité du jugement des cliniciens. Mais à l'opposé, pas l'expérience. Et au contraire, plus l'expérience était importante et plus on avait tendance à avoir des biais de jugement. Ça pose beaucoup de questions sur moi, clinicien, qu'est-ce que je fais et quelles sont mes références de jugement? Est-ce que c'est ma boîte à expérience, mes références? Donc je laisse ça en suspens. Un autre aspect qui était apparu, c'était que les inférences causales étaient généralement très peu valides. Que quand on essayait d'attribuer des causes aux symptômes actuels, souvent les cliniciens se trompent. Ou arrive à formuler des hypothèses très faibles. Alors, là aussi, est-ce que l'objectif de notre travail, c'est d'expliquer ou d'écrire et de comprendre? Vous voyez, il y a des nuances très importantes dans ces aspects-là. Dans l'évaluation des risques, il a mis à jour, c'était qu'il fallait mieux prendre en compte les comportements antérieurs plutôt que des évaluations qui ne tenaient pas compte de ces comportements antérieurs. Puis également, sur les recommandations thérapeutiques, on en a parlé tout à l'heure, on a très peu de feedback et souvent, on est incapable de dire si nos recommandations sont justifiées et valides. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas fait la revue de littérature depuis les écrits de Garb, ça fait un certain temps maintenant, mais je crois qu'on en est à peu près au même point. 3 minutes ? 3 minutes, alors on va beaucoup raccourcir. J'avais beaucoup de choses à vous dire, mais on va directement aller... j'avais prévu de vous parler de plein de choses, mais on va directement parler de pistes de progrès. Avant de parler de pistes de progrès, je voudrais insister sur 2 biais. Le biais de familiarité, qui est extrêmement fort chez nous. Biais de familiarité qui fait que si je suis familier avec une théorie, je vais avoir tendance à lire le monde par ma théorie. Or, à quel point je vais pouvoir décrire l'enfant qui va se présenter devant moi avec cette théorie-là? Est-ce que cette théorie sera adaptée à l'enfant que je vais avoir? Donc ça, c'est un premier biais. L'autre biais, c'est le biais d'auto-confirmation. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire la tendance que j'ai à me faire une idée rapide d'une situation, parce que je suis sous pression, que cognitivement c'est plus facile, et à vite trouver ou chercher des données qui confirment. Parce que faire avec des données qui infirment, c'est un problème, et c'est un problème à résoudre de plus. Alors, quelles sont les pistes de progrès par rapport à ces difficultés que je rencontre? Déjà, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui nous sont recommandées. Faire attention aux résultats empiriques, prendre conscience des biais culturels, peut-être décrire davantage les points forts des enfants pour lutter contre la surpathologisation, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça en français. Neutraliser les biais de jugement, utiliser des méthodes de recueil fondées sur les données probantes, ça nous permet de lutter contre les biais de confirmation, et utiliser si possible des aides à la décision lorsqu'elles sont disponibles. Alors, Jean-Philippe Leyens a écrit un livre il y a quelque temps, puis il a été réédité récemment, sur la force de l'exemple. Pour nous, lorsqu'on a rencontré un cas extrêmement
fort, ça vaut plus que 10 lectures. On aura beau lire des données empiriques, lire des preuves, c'est le cas qui va primer. Et ça, il faut le savoir. Alors, c'est vrai que le fait d'en être conscient, ça va nous permettre d'un peu contrôler nos biais. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir développer des stratégies mentales pour mieux contrôler nos biais de jugement? Je pense que contrôler les biais de jugement, ça passe par générer des hypothèses alternatives et se forcer à les évaluer. Argumenter les étapes du jugement clinique aussi. Par exemple, en méthode qualitative, et ça on pourrait s'en inspirer, il existe des listes de critères qui nous permettraient de garantir ou d'encadrer, qui nous permettraient de nous donner des garde-fous pour donner plus de rigueur à notre jugement clinique. Le fait de considérer aussi chaque test, chaque procédure comme une source légitime d'information, plutôt que de la délégitimer parce qu'elle n'est pas très en accord avec tout le reste, tout le pattern est plus des dominants. Oui, mais finalement, les parents n'ont pas décrit ce phénomène-là, voyez, ou l'enfant lui-même ne décrit pas ce phénomène-là. Vous voyez, les parents décrivent des symptômes. Tout à l'heure, dans le cas clinique qu'on nous a présenté, les parents parlent d'un certain nombre de symptômes, un certain nombre de difficultés. Ils vont souvent en parler avec le discours médical qu'ils ont déjà entendu, qui se sont très bien appropriés. Et donc, on vous donne quelque chose qui est déjà pré-mâché. Mais est-ce que l'enfant, lui, va nous donner quelque chose qui est de cet ordre? Contrevalider les jugements aussi sur la causalité, ça me semble très important. Par exemple, comment est-ce que je peux, moi, le clinicien, trianguler mes sources? Mais une possibilité, c'est de demander à la personne concernée, à l'enfant en l'occurrence, ou à l'adolescent, qu'est-ce qu'il en dit de mon jugement à moi de causalité? Est-ce qu'il est d'accord avec ce que je dis sur lui? C'est toujours intéressant d'avoir cet avis-là. Et là, je ne parle pas d'un avis sur ce qu'il dit, mais c'est un avis sur ce que moi je vais dire de lui, sur mes hypothèses de fonctionnement. Bon, ici on a une grille de codage qui nous permettrait d'éviter des biais d'auto-confirmation. On considérerait chaque procédure en essayant de les considérer individuellement, en essayant de noter pour chaque procédure ce qu'elle apporte sur un certain nombre de domaines de fonctionnement. Tout ça pour essayer de faire en sorte de lutter contre ces biais. Donc on a comme une espèce de lutte à avoir. Je voudrais juste vous parler, et ça sera ma conclusion, de formation. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait des défis très importants devant nous, des défis qui sont des défis de compétences et de développement de compétences. Pour moi, c'est difficile de comparer et de prendre un exemple français parce que les universités françaises fonctionnent chacune d'une autre manière, d'une manière individualisée. Alors que au Québec et au Canada, nous avons un ordre des psychologues du Québec et une société canadienne de psychologie auquel nous devons des comptes. Nous sommes à la recherche d'accréditation par ces instances. Ce sont des instances fortes de régulation professionnelle. Ces instances, elles nous imposent énormément de choses. On se fait auditer, on discute de nos programmes, nous négocions nos programmes avec ces instances. Donc, finalement, c'est un peu comme si moi, universitaire aujourd'hui, je devais vous rendre des comptes, vous les professionnels. Vous voyez, c'est ça qui se passe chez nous. Et donc, voilà la manière dont s'organise notre formation. On a, les gens sortent du bac, le bac c'est la licence, et ils s'engagent dans un doctorat, 5 ans. Un doctorat, et là j'ai repris uniquement les cours qui sont des cours liés à l'évaluation, liés à ce que moi j'appelle le diagnostic psychologique. Vous voyez déjà qu'il y a un volume horaire très conséquent de diagnostics psychologiques ou qui sont centrés sur les activités diagnostiques. Un autre aspect, c'est que on a, dans les 3 premières années,
des exercices, ce qu'on appelle stage est très différent des stages d'ici. En fait, le stage qu'on appelle ici stage se réfère à l'internat qu'on fait en dernière année au Québec. Les stages, c'est des groupes de 3 étudiants qui travaillent ensemble sous la supervision d'un professionnel. Ces groupes de 3 étudiants s'auto-critiquent, s'auto-regardent en situation réelle, avec des clients réels, à la clinique universitaire. Autre aspect original, c'est que les stages dits d'intervention, donc d'action, ce n'est pas uniquement du diagnostic, mais c'est de l'intervention, du changement de situation, sont tous des stages avec des modalités thérapeutiques différentes. Donc je parlais tout à l'heure de à quel point nos structures mentales, notre filtre théorique nous inspire, mais aussi nous biaise. Ce qu'on vise avec ces formations, et elle a plein de défauts cette formation, mais elle a cette qualité de former des généralistes de l'évaluation et de l'intervention. Alors c'est sûr qu'après, quand les étudiants partent en internat, après avoir rédigé leur thèse, et vont après leur internat à temps plein sur le marché professionnel, il y a une qualité de relation, une qualité d'écoute qui est particulière, je trouve, et une qualité aussi de maîtrise des outils. Lorsque je mentionnais tout à l'heure les aspects évaluation, vous allez me dire, oui, mais là, vous présentez aussi des stages d'intervention. Pour moi, il n'y a pas de diagnostic psychologique sans connaissance précise des alternatives thérapeutiques, des moyens de remédier aux situations. Si vous faites l'évaluation d'une situation, c'est pour dire quelque chose, pour influencer une trajectoire. Alors en conclusion, complexité extrême du diagnostic intégré de l'enfant, multi-informant, phase de développement, complexité extrême vis-à-vis de laquelle il nous faut des formations super solides parce que le défi est très élevé, importance de l'attitude du clinicien. J'ai essayé de mentionner des aspects de rigueur, de probité. On est beaucoup autour d'aspects éthiques en vérité. Mais surtout, on a tendance toujours à parler de capacité auto-réflexive quand on parle d'intervention. Mais là, on est vraiment dans des capacités auto-réflexives. Vous devez à la fois faire votre examen, faire produire votre diagnostic et réfléchir à contrôler vos biais de jugement. On est vraiment là-dedans. Donc, très loin du psychologue technicien qui fait du testing. Il y a des listes de garde-fous, des critères de qualité disponibles qui sont à notre disposition et que nous devons nous approprier. J'ai parlé de méthodes qualitatives tout à l'heure, j'en avais d'autres à vous présenter, mais je n'ai pas eu le temps. Et donc, une conclusion qui est une conclusion sur la formation. À vous la main, en fait, les professionnels. Vous devez exiger que les formations répondent aux exigences de profession. Voilà, alors je vous remercie. J'espère qu'il y aura quelques questions. Ça, c'est le laboratoire avec tout le monde. Je remercie beaucoup la PPEA de m'avoir invité aujourd'hui, d'avoir la possibilité de partager ça au coin du feu. On n'a pas de feu de foyer, mais on a la chaleur quand même. Merci.